Alex. Hey, salut à tous, c'est Ori. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry New Dawn. Donc là, on vient de prendre un camp, hein, ça serait bien passé. Hors vidéo, j'ai ramené les deux spécialistes, Bean et Grace. Bean est pour la cartographie et Grace est pour l'atelier, pour fabriquer des armes, tout ça. Et là, on va essayer de se faire ce petit camp-là. Allez, on y va, c'est parti. On va pouvoir aménager cet endroit pour. C'est de trouver un véhicule. Normalement, il y en avait. C'était pas simple d'arriver là. Ah, je comprends. Ou pas. Allez, on y va. Il n'y avait pas de véhicule là. Bon, je reviens dès que j'ai trouvé un véhicule. Aïe. Non mais... T'es qui toi d'abord? Bon du coup on a trouvé un véhicule. Ou pas. On a trouvé un camion. C'est toujours ça de prix hein. Allez demi-tour. Parti. Je verrai un code quand même, mais bon. C'est pas grave. Un petit coup de pression pour leur dire comment je m'appelle quoi, tu vois, normal. On est bientôt arrivé au camp normalement. On va s'arrêter pile poil devant hein. On va pas chercher à comprendre. En plus il me semble que j'ai des points de talent. Qu'est-ce que tu fais toi? Que j'ai des points de talent à récupérer. Voilà, on est arrivé à la fonderie, à la raffinerie. Voilà, je vais aller. Ah non, c'est plus loin. D'accord. Enfin, il a l'air d'être costaud le camp quand même. Alors... Comme...
C'est parti, la musique. T'es où toi? Ah, dommage. Oh, personne nous a vu. C'était pas mal. Bon, c'est les premiers camps, hein. Je pense que ils sont pas compliqués, les premiers camps. Aucune alarme en plus, impeccable. Parfait. Et ben voilà, c'est cadeau. Je sais pas si je dois vraiment les piller ou pas, mais on a eu sans éthanol. Wow. Alors ça, j'étais pas prêt. Ouais, donc... J'attends de voir comment tu vas t'adapter. Bon, on va fouiller un peu du coup. Hello. Les choses s'éclaircissent. Maintenant que la raffinerie fonctionne, personne ne sera plus en rade d'éthanol. Mais on se débarrasse pas comme ça de ses vieilles habitudes. J'ai continué d'emmagasiner des trucs comme au début de l'effondrement. J'ai stocké au milieu du vieux silo à céréales juste au cas où. Quoi. Ok. Vieux silo à céréales. Vous êtes là-bas, je pense. Prospérité. Ouais, c'est des gentils. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Y'a rien. Une boîte, un détonateur. Une autre boîte. Et c'est tout, y'a avec ça apparemment. Bon, c'est un petit camp. Aïe, je pète quoi. Bon bah c'était bien. C'était bien, qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre du coup? Du coup, deux camps. Oh, cougar niveau 3, intéressant. Allez, on va aller là. Ils sont en train de se courir après ou quoi? Il a tué mon copain. Oh non. Oh, un quad. Alors ça. Ça c'est propre. Allez, on y va. Deux cents mètres.
Ah ah, il y a des abeilles, j'aime pas les abeilles. Ils sont en train de se tirer dessus alors. J'ai vu une caisse là en bas. Les ravageurs ont des groupes aux quatre coins du pays. Et de temps en temps, ils s'envoient du ravitaillement pour s'entraider. Si vous apercevez un avion, c'est forcément eux. Vous aurez intérêt à courir pour prendre le colis en premier. Et vous devrez sûrement vous battre. Ah bon? Là où la caisse qu'on avait vue, elle est là. Ok, 3 sur 4. On peut pas aller là-haut. Ah, il y a une échelle, je suis con. Oh, mais il y a du monde. Il y a le cougar qui est là. On s'en va, on s'en va. Allez. Ah ouais, mais tu sautes jusque là, toi? T'es où? J'ai bien cru que j'allais. Non. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. Aïe aïe aïe. T'es où? Jaguar, cool, impeccable. Bon, ça a toujours pas fini le... cette chose. Vu que je ne sais pas trop où c'est. Aïe, oh, je suis teubé. Ici, on a déjà vérifié.
sûr que c'est là-dedans, moi. Arrête de faire ça. Bon. Moi je peux aller là-haut aussi. Mais je pense qu'il faut un talent particulier. Oh, il y a un colis là-haut. On va aller chercher ce colis. Allez, saute là. Putain, t'es nul. Allez go, on monte là-haut, on va chercher le colis. ...40 mètres. Évidemment, je pense que je vais pas être tout seul, si. Allez, on pille. Ouais, c'est quoi que j'ai vu là? Ah, il y a 40 éternels. Oh putain! On n'a pas le temps. On va faire un voyage rapide à Prosperity pour sauver tout ça. F, voyager. Je suis ta carrière de prêt, capitaine. Impeccable, on va aller voir si on peut pas améliorer la cartographie. Ah, 340. Oh, on améliore. Yeah. Ça, c'est bien, ça. Wikibinia est de retour. Et tout ça, c'est grâce à votre aide. Est-ce qu'on peut... Ah, Prosperity niveau 2. Ok, très bien. Ça nous a débloqué quoi du coup? Ouais, tiens. Ah, c'est la carte. Qu'est-ce qu'on va débloquer d'autre? Ouais, comme ça on va pouvoir se fabriquer des véhicules. Parfait. Nouveau garage. Et on va débloquer quoi? Prosperity, qu'est-ce qu'il faut déjà? Thomas Rush, condition d'expert rempli. Encore un aménagement. Ok, il faut que j'améliore encore un truc. Établi. Ouais, établi. R. Et voilà, on va pouvoir se fabriquer des armes. Parfait. Et là, on va améliorer Prosperity. R. Voyons voir à quoi ça va ressembler. Ah, il y a plus de monde. Venez par ici. On vient juste de commencer. Mangez tant que c'est chaud. Ça part vite quand ça sent bon comme ça. Je vais prendre ça pour un compliment. Maman pensait que ça serait une bonne idée d'organiser un repas pour le moral de tout le monde. J'ai l'impression que ça marche. On a tous ouais, besoin ça marche. De souffler un peu. C'est sûr. Elle, non, elle n'arrête jamais. Et ça, ça risque pas de changer. Ça fait bien longtemps que j'ai pas accueilli madame. Autant de monde. La dernière fois, c'était peut-être pour annoncer que j'étais enceinte de toi. Tout le monde était content pour ton père et moi. Ce n'est pas parfait, et il reste beaucoup à faire, mais c'est agréable d'avoir à nouveau une raison de se réjouir. Je suis bien d'accord. Tout
Tout à fait. On n'en serait pas là si vous nous aviez pas aidés. Allez-y, servez-vous à boire. Vous le méritez bien. Plus on est fort. Et on va se boire une petite bière pour fêter ça. C'est quoi ce bordel? Ou pas. C'est eux. Faut qu'on fasse rentrer les enfants. Oh non. Allez, baissez vos armes. Ce serait dommage de faire peur aux enfants. Carmina! Tout va bien se passer, ma chérie. Désolée, ça m'énerve quand j'entends des gens mentir aux enfants. Pourquoi vous faites ça? À cause de ta championne, là. Avant que toi t'arrives, tout se passait parfaitement bien. Mais maintenant, tu nous poses plein de problèmes. Eh ouais, je suis arrivé. Tu fous le bordel partout où tu passes. Je crois qu'on ferait mieux de la tuer. Non! Calme-toi. Ce serait bête d'en faire une martyre. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde se rende bien compte que ton aide est un fléau. Chaque personne que tu aides, chaque enfant que tu inspires, chaque campement que tu construis, on te le prendra. Et quand il te restera plus rien, ce sera tout. C'est des menaces? Surtout, tiens-la bien. La seule valeur sûre dans ce monde, c'est le pouvoir. Et toi, tu nous fais passer pour des faibles. Mais maintenant, c'est terminé! On va te prendre toutes les choses. Tu me fais pas peur, hein. En commençant par ta maison. Et si on peut pas le prendre, eh ben on le détruira. On veut pas te voir quand on reviendra. Allez, allez. Oh mon Dieu. Allez. Et on a gagné une grenade. C'est passé. Et voilà, donc moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Et on se revoit bientôt. Ciao.